Bonjour, les ouvrages de droit et économie en classe de première STMG ont été réalisés par deux équipes d'auteurs dont je fais partie. Je vais vous présenter ici la façon dont nous avons imaginé et conçu ces supports. Notre travail d'auteur vous est proposé sous trois formats différents. Une version pochette, une version manuelle, une version e-manuelle. Le e-manuel permet à vos élèves et à vous-même de réaliser l'ensemble des activités sur support numérique. Il est aussi possible de choisir une solution bimédia qui couple un support papier avec le e-manuel. Dans tous les cas, les contenus sont les mêmes, ce qui peut vous laisser la possibilité d'échanger entre collègues, de mutualiser, de travailler ensemble, même si vous n'avez pas fait le choix du même support. De même, si vous deviez changer de support d'une année sur l'autre, vous retrouveriez les mêmes situations et pourriez conserver vos travaux. Nous avons proposé un découpage de l'ouvrage d'économie en 11 chapitres, de celui de droit en 10 chapitres, soit 21 chapitres en tout, articulés autour des thèmes du programme. On a imaginé consacrer 5 heures par chapitre en moyenne, soit 2 semaines et demie si les cours de droit et d'économie avancent en parallèle, à raison de 2 heures chacun par semaine. En tenant compte du rythme de l'année, ces 21 chapitres s'intègrent aisément dans une progression scolaire. Par ailleurs, chaque chapitre est découpé de façon à marquer le rythme de travail hebdomadaire, puisque nous avons imaginé chaque double page comme une possible séance de 1 heure. 2 à 4 pages d'application sont proposées en fin de chapitre et peuvent permettre d'ajuster éventuellement les temps de travail. Nous avons choisi de construire les chapitres autour de situations filées. La plupart d'entre elles sont réelles et traitent de phénomènes de société. La faim dans le monde et la rareté des biens, les gilets jaunes et les fonctions du droit, Louis Vuitton et les échanges économiques, l'héritage de Johnny Hallyday et le recours au juge. Les doubles pages traitent des capacités ou des notions. Nous avons proposé de regrouper sur la page de gauche toutes les ressources nécessaires à l'élève, qu'il s'agisse d'éléments en lien avec la situation ou d'éléments théoriques. Nous avons conçu la page de droite comme un guide de travail, par un questionnement renvoyant au document de la page de gauche. Quelques mots sur l'histoire filée enrichissent le contexte. Une rubrique « Aller plus loin » est à votre disposition. Elle propose un travail complémentaire à partir de vidéos, d'extraits d'articles de presse ou de données statistiques accessibles sur des sites institutionnels. Si vous avez choisi de travailler avec le support pochette, vous pourrez proposer cette rubrique « Aller plus loin » en téléchargeant un fichier depuis le site Compagnon. Nous vous proposons dans ces ouvrages des fiches méthodes sur des sujets ciblés et pratiques. Une préparation à l'épreuve de terminale vous est aussi proposée à partir d'entraînements répartis dans l'ouvrage à la fin de chaque thème. Nous espérons que ces manuels vous aideront dans vos enseignements. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques qui nous permettront d'améliorer encore nos supports.